Bonjour Serge de projet13.com. Voici le sac étanche de chez TOE en 25 litres, version camouflage. Alors, il existe aussi en 50 litres et en deux coloris, donc 50 litres camouflage et 25 litres et 50 litres en noir. Celui-ci, c'est la version sac bandoulière, donc avec la sangle sur le côté. Alors, première caractéristique, la valve de décompression. Alors, cette valve, elle a été créée pour... En fait, quand vous remplissez votre sac, si vous voulez chasser l'air qui est à l'intérieur, vous ouvrez la valve, vous chassez l'air, et après, vous fermez la valve. Comme ça, vous avez un sac bien compressé. Autre option de cette valve, si vous voulez vous en servir de coussin, vous pouvez très bien gonfler le sac et passer une bonne nuit. Hein. Tout simplement. Au niveau finition, alors je vais essayer de vous montrer l'accroche de la sangle. Donc au niveau finition, Théo, on peut dire qu'ils ont fait du bon boulot. Beau point d'accroche, bien solide. On sent que le travail a été bien fait. Au niveau du mousqueton en plastique, plutôt pas trop mal en milieu humide, vaut mieux éviter la ferraille. Bon, on a le loquet là qui est en fer, mais bon. Je pense que c'est en inox et que ça devrait pas trop craindre l'eau. Voilà, l'autre côté pareil, idem, hein, accroche mousqueton. La sangle bandoulière est bien évidemment réglable. Bon, rien d'extraordinaire, mais bon, ça peut toujours servir pour régler en fonction de votre taille. Système de fermeture. Alors, système de fermeture, très simple, comme la plupart des sacs étanches. Donc, là, sur ce côté, nous avons une lame en plastique dur qui va venir fermer, étanchéiser le tout. Donc en fait, vous pliez bien, mettez bien le sac à plat et vous faites un premier tour, deuxième tour, et soyons fous, on va en faire un troisième pour être sûr. Hop, voilà, ok. Donc trois tours, hop, on rapproche la fixation et on clipse. Voilà. Donc tout simplement, en fait voilà, vous vous retrouvez avec un sac étanche en faisant trois tours et c'est plutôt sympa. Voilà, il existe une autre version en 25 litres, c'est un sac de transport, un sac de voyage. J'essaierai de vous faire une vidéo sur celui-ci, mais ça voilà, donc ça c'est la version 25 litres en camouflage. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.